Vous êtes entrepreneur du paysage, paysagiste concepteur? Vous voulez rassembler votre équipe autour d'un concours unique en France? Depuis 2011, des jardiniers vivent une aventure inoubliable, le Carré des jardiniers. À la clé, le titre très convoité de maître jardinier. Une reconnaissance par les plus grands professionnels de la filière. Un tremplin pour votre entreprise. 10 dossiers présélectionnés. 5 retenus pour le concours. Serez-vous le prochain maître jardinier? Pour faire partie de l'aventure du Carré des jardiniers, vous devez fournir un CV et une lettre motivant votre participation au concours. Pour la partie technique, vous devez présenter une réalisation de moins de 10 ans ainsi qu'une note d'intention avec votre projet et votre équipe pour le Carré des jardiniers. Après une première présélection, c'est le grand oral pour les postulants. Je pense que vous avez des choses à dire. On va les pousser jusqu'au bout de la folie pour nous amener encore dans les sensations, les émotions. On est hors du monde, on est vraiment dans du rêve et c'est ce que je demande à un jardin. Non, ils n'ont pas été, au contraire, ils m'ont mis un peu à l'aise parce que j'étais un peu stressé au départ. Plutôt impressionnant, il y a quand même des grands acteurs du paysage dans le jury donc, et dans le milieu artistique, donc c'est plutôt impressionnant. Bon, peut-être une belle aventure, on ne sait jamais, on va bien voir. Le jury du Carré des jardiniers, ce sont des professionnels reconnus du paysage avec Jean Mus, président du Carré des jardiniers et architecte paysagiste, une dizaine de professionnels et journalistes de la filière. Mais le jury du Carré des jardiniers se compose également d'artistes représentant les 5 sens. En juin, les 5 finalistes retenus par le jury seront présentés à la presse par l'équipe Paysalia. Paysalia, le salon paysage, jardin et sport. Plus de 24 000 visiteurs, 921 exposants et marques, 53 pays représentés, 11 fédérations rassemblées. Paysalia, une vitrine d'exception auprès de contacts qualifiés. Au cœur du salon, des paysagistes ont rendez-vous avec la profession. C'est le jour J. Le jury visite et juge les 5 jardins. Créativité, maîtrise de la technique, respect de la thématique, valeurs humaines et émotions procurées sont les critères d'évaluation. Simple, mais en fait, la simplicité peut être extrêmement complexe en fait, au final. Non, c'est beaucoup de joie, beaucoup de découvertes. Très intéressant parce que le thème imposé est traité de façon extrêmement différente. Ce ne serait pas simple, mais toutefois pour moi, mon jugement est fait. Est-ce que c'est un jardin qui s'adresse à beaucoup ou à une seule personne? Là, c'est presque à une seule personne. Il y a une impression générale. Jardin, c'est quelque chose qui doit être beau, qui doit nous soigner par sa beauté. Alors, si on dit quelque chose, ça doit être beau, mais si c'est au final, ce n'est pas beau, ça ne marche pas. Et parfois, à trop vouloir faire, bien faire et tout, on complique, on sophistique, on met beaucoup de matériaux, beaucoup de choses. Il faut savoir, le plus dur, c'est de simplifier. Grand brassage émotionnel, de belles choses, demande réflexion. Quelques heures plus tard, c'est l'ultime oral pour les finalistes. Bonne sensation, on a pu s'exprimer et à peu près comme on le voulait. Après, ça reste une audition. On est face à des grandes personnalités, des professionnels. Ils ont été très très agréables. Si c'était à refaire, je le referais uniquement pour repasser ces bons moments que j'ai passés avec toute mon équipe. Lors de la soirée Paysalia, le nouveau porte-drapeau de la profession va être annoncé. À
Anne Cabrol. Une nouvelle notoriété, une visibilité média importante pour le gagnant. Le Carré des Jardiniers, ce sont plus de 100 retombées presse, des reportages télévisés et une présence active sur les réseaux sociaux. Vous voulez être le prochain maître jardinier? Remporter le trophée? Représenter la profession pendant 2 ans? Retrouvez les modalités de participation et règlement du concours du Carré des Jardiniers sur paysalia.com.